Banjo! Pourquoi tu ne dors pas encore? J'attends ma maman. Tu sais où elle est? Je pensais qu'on allait partir en vacances. Eh bien, elle avait un truc à faire. Faire quoi? Écoute, seule ta mère peut te répondre pour le moment. Je sais juste que ce qu'elle fait, c'est pour ton bien. C'est pour ça que peu importe ce qu'il se passe, tu aimeras toujours ta maman. Bien sûr que oui. J'aime beaucoup ma maman. Veuillez me croire, s'il vous plaît, je n'ai pas enlevé Becca. Quelqu'un l'a déposée devant ma porte. Je ne connaissais pas sa vraie identité. Sarah, excuse-moi, mais on a du mal à croire à ton histoire. Je ne mens pas. Kara, allez, tu dois me croire. S'il te plaît, Kara, je te dis la vérité, je le jure. Depuis combien de temps tu sais que Becca est ma fille? Depuis que tu as fouillé mon ancien appartement, ça m'a donné la puce à l'oreille. Et quand j'ai vu une photo d'Isabella bébé, ça a confirmé mes doutes. Mais veuillez me croire, je ne savais pas. S'il te plaît, crois-moi, j'ai essayé de t'en parler un million de fois, mais je n'ai pas réussi. Mais tu n'as rien dit. Mais je suis quand même restée, c'est pour ça que je suis rentrée. Je voulais te dire la vérité. Parce que tu savais que tu serais démasquée. Sarah, le truc c'est que si tu n'as vraiment pas enlevé Isabella, tu aurais dû me le dire et j'aurais compris. Sarah, tu me connais. Je peux te pardonner peu importe la taille de tes erreurs. Mais tu es partie avec ma fille. Même en connaissant la vérité, même en sachant que ça allait me blesser. Désolée, je savais que j'avais tort quand j'ai caché Becca. Désolée, dans mon cœur, c'est ma fille. Ce n'était pas facile pour moi de te la rendre. Mais Sarah, et moi alors? 7 longues années. Ça fait déjà 7 ans que je la cherche. Tu n'as jamais pensé une seule fois à mes sentiments, Sarah? Je suis désolée, crois-moi, je ne l'ai pas fait pour te blesser, je l'ai fait parce que j'aime Becca. Crois-moi, s'il te plaît, je n'ai rien fait de mal, je suis innocente. C'est assez, Kara. Je n'ai pas fait ça. Sarah, arrête. C'est assez. Je vous en prie, c'est assez. Excusez-moi, est-ce que vous voulez porter plainte? Oui, monsieur. Notre avocat s'occupera de tout. Kara, Seb, vous devez me croire. Oui, je n'ai aucune preuve. Mais celui qui a fait ça nous veut du mal, c'est sûr. Au début, c'était la couche. Elle a été volée en même temps que le certificat de décès de ma fille. La personne qui a fait ça veut détruire notre famille. Kara, tu dois me croire. Tu nous dis peut-être la vérité. Mais on ne peut pas s'empêcher de te soupçonner. Et pourquoi ne pas nous avoir dit que tu étais ici aux Philippines quand Isabella a disparu? Et tu voulais t'enfuir avec Becca? C'est plutôt parlant. Je vous en avais déjà parlé, vous vous en souvenez? Je voulais oublier la douleur de la perte de ma fille, c'est tout, Seb. Je te dis la vérité. Kara, s'il te plaît, crois-moi. Je vais faire le nécessaire. J'attends juste la déposition de Sarah. Elle sera ensuite inculpée pour enlèvement. Kara, Seb, doit-on vraiment en venir là? On n'a pas besoin de ça. Pourquoi voudrais-tu envoyer ta sœur en prison? Kara, regarde-moi, tu dois me croire. Je te dis toute la vérité, je n'ai pas l'intention de te blesser. Kara. Kara, ne fais pas ça. Kara, mon amour. Laura, je suis désolé. Nous savons que tu aimes Sarah. Mais nous devons le faire. Sinon, ça voudrait dire que nous acceptons tout. C'est important pour nous de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Kara, s'il te plaît. C'est ta sœur. Kara!
Banjo? Allô? Allô? Sarah, c'est toi? Oh, Banjo. Non, non, c'est Itoy. Ah, Itoy. Tu peux me passer Sarah? Sarah n'est pas là. Tu vois, elle a oublié son téléphone à la maison. Ils sont au poste de police. Hein? Au poste de police? Nous avons découvert que... Becca est vraiment Isabella. C'est pour ça que Seb et Cara suspectent que c'est Sarah qui a enlevé Isabella. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Tu sais ce qui s'est passé? Cara était super énervée contre Sarah. Elle a l'air déterminée d'envoyer sa sœur en prison. Mon Dieu! Qu'est-ce qui va arriver à mes filleules? Quel poste de police? Grâce à la déposition de Sarah et au certificat de décès de sa fille, je vais pouvoir l'inculper pour enlèvement. J'ai aussi demandé au tribunal de... nous laisser faire un test ADN pour prouver officiellement qu'elle est bien votre fille. En même temps, ça renforcera aussi notre dossier. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Le dossier sera ensuite transféré à la justice fiscale. Sarah sera emprisonnée temporairement, pendant que nous attendrons la décision fiscale qui nous dira si nous pouvons continuer avec l'affaire. Est-ce que Sarah sera libérée? Il n'y a pas de libération sous caution pour enlèvement. Mais tu sais très bien comment les dossiers peuvent être manipulés en fonction de l'avocat et de nos preuves concrètes. Nous avons un dossier solide, non? Je veux dire que Sarah a admis qu'elle avait notre fille tout ce temps-là. Eh bien, oui, nous avons un dossier solide. Mais nous devons tout expliquer au tribunal. Comment l'enfant est tombé entre les mains de Sarah. Même si nous avons toutes les preuves pour faire avancer le dossier. Et même avec les preuves des résultats des tests ADN, logiquement, dans ce dossier, cela ne suffit toujours pas pour inculper Sarah pour enlèvement. De plus, le tribunal pourrait l'écouter et penser qu'elle l'a vraiment trouvé sur son palier. Ce qu'il nous faut, c'est une preuve incontestable. Qu'est-ce que ça veut dire? Une preuve solide, comme un témoin qui pourrait attester qu'elle avait prévu d'exécuter ce crime. Avec ça, c'est sûr qu'elle ira en prison. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur a été emmenée dans sa cellule. La police va mener une enquête pendant 24 heures et ils nous tiendront au courant de la décision fiscale. Cara, s'il te plaît, ne fais pas ça. N'envoie pas ta sœur en prison. Elle a avoué ne pas avoir voulu enlever ta fille. Retire ta plainte, s'il te plaît. Maman, tu crois ce qu'elle a dit? Bien sûr. Parce que je choisis d'écouter ce que me dicte mon cœur. Je suis ta mère. Je sais et je ressens tout ce qui passe dans la tête de ma fille. Je sais que Sarah n'est pas parfaite, mais je sais aussi qu'elle n'est pas capable de faire ce que tu l'accuses de faire, s'il te plaît. Écoute ton cœur, ma chérie. Sarah? Bonjour. Où est Becca? Elle est au club. Ma sœur la garde. Elle s'est endormie en t'attendant. Bonjour, je t'en supplie. Ne dis rien à Becca. Je ne veux pas qu'elle apprenne la vérité comme ça. Quelle vérité? Que tu as enlevé la fille de Cara? Tu ne l'as pas fait, non? Non! Crois-moi, j'ai trouvé Becca sur le palier de mon ancien appartement. Je vais faire tout mon possible. Mais si c'est ta famille qui en parle à Becca, comme Cara,
ne sais pas. Je sais qu'ils sont tous en colère contre moi. Je sais que Becca me détestera quand elle apprendra la vérité. Le plus important est de te sortir de là. Est-ce que tu as un avocat? Pas encore. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Nous allons en trouver un. Merci, bonjour. Allez, maman. Maman, j'essaie d'être objective. Même si toutes les preuves convergent vers Sarah. Tu penses que ce n'est pas douloureux pour moi? Mais nous ne connaissons pas toute l'histoire, n'est-ce pas, Kara? En fait, j'ai moi aussi beaucoup de questions en tête. Mais je choisis de donner une chance à ta sœur pour prouver qu'elle est innocente. Kara! Maman, que ce soit Sarah ou non qui ait enlevé ma fille, elle a quand même essayé de s'enfuir avec Becca. Je ne peux pas lui faire confiance à nouveau. Pourquoi tu es toujours ici? Après tout ce que je t'ai fait, je n'étais pas une bonne amie. Je suis une lâche, je t'ai utilisée. Je l'ai fait avec mes yeux ouverts. Depuis le début, tout est clair pour moi. Je ne suis pas aveugle. Pour moi, ce qui est important, c'est de rester à tes côtés. Je sais très bien que tu as fait tout ça parce que tu aimes Becca. Tu n'as pas besoin d'affronter ça toute seule. Même si tout le monde te tourne le dos, je resterai à tes côtés. Essaie encore. Elle ne s'est pas enfuie avec Becca. Elle est revenue, non? Tu l'as dit toi-même. Que c'est Isabella qui est en jeu ici. Que ressentira l'enfant? Ce sera dur pour elle de tout accepter. Comment réagira-t-elle quand elle apprendra que tu es sa mère biologique, mais que tu as envoyé Sarah en prison? Voici ton café. Oh, merci Paolo. Ça te rendra encore plus nerveux? Mêle-toi de tes affaires, Andy. J'ai envie de rester éveillé. J'attends des nouvelles. Tu sais quoi? Il est tard. Vous devriez aller vous coucher. Ne t'en fais pas pour nous. Nous avons juste envie de savoir ce qu'il se passe. Où sont-ils? Ne sont-ils pas encore entrés? Bien évidemment. Des nouvelles? Je ne sais pas. J'ai envoyé des messages à Laura, mais elle ne m'a pas encore répondu. C'est vrai. À ton avis, quel sera le verdict du tribunal? Oh, allez, Alex. Hein? Il est tard. Arrête de me poser ce genre de questions ou je ne sais pas ce que je ferai de toi. Qu'est-ce qui te tracasse? Elle a déjà confessé, non? Elle a seulement avoué qu'Isabella était avec elle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle l'a enlevée. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Une coïncidence? Tous ces indices que nous avons pointent tous vers Sarah. Alex, Alex, je connais bien Sarah. Je ne pense pas qu'elle ait pu enlever un enfant. Nous savons tous à quel point elle aime Becca. Oui, c'est vrai. Mais elle en a fait d'elle quand même sa fille, même si elle n'en avait pas le droit. Attendez. Pourquoi est-ce que vous prenez tous la défense de Sarah? Avez-vous oublié que c'est ma nièce qu'elle a enlevée? Ne devriez-vous pas être du côté de mon frère de Kara? Vous avez vu à quel point elles ont souffert pour retrouver Isabella. Et maintenant, ce sont eux les méchants? Tout ça à cause de Sarah? Écoute, Alex, juste parce que nous défendons Sarah ne veut pas dire que nous ne considérons pas les sentiments de Kara et de Seb. Nous sommes tous de la même famille. Nous ne devrions pas prendre parti. Je me demande pourquoi. Tu as l'air d'être la seule à ne pas le savoir. T'es sérieuse? Ne pas prendre parti? On sait tous très bien de quelle partie tu es. Tu essaies vraiment de... Hey, toi, on se calme. On se calme. Et Alex, j'ai aidé Ismaël et Laura à élever Sarah. C'est presque comme ma fille. Aussi, je la connais très bien. Oui, des fois, elle est un peu impertinente, désintéressée et même têtue. Mais Sarah n'est pas cruelle. Et encore moins une enleveuse d'enfants. Lâche-moi! Pourquoi m'as-tu arrêté? Tu ne fais que compliquer les choses. Et alors? Qu'est-ce qu'elle m'énerve? J'ai envie de lui tirer ses cheveux bouclés. La police dit qu'on doit vous donner Isabella au DSWD. Oui, monsieur. Dans ce genre de situation, nous décidons de ce qui est le meilleur pour l'enfant. Mais nous sommes les parents biologiques de Becca. Nous l'avons déjà prouvé.
Et Sarah a avoué que Becca était notre fille. Oui, peut-être. Mais le fait est que l'enfant considère Sarah comme sa mère. Il n'a pas encore été prouvé si Sarah a réellement enlevé Becca. Qu'est-ce que vous comptez faire de notre fille ? Dans ce genre de cas, nous devons emmener l'enfant dans un de nos bureaux. Attendez, nous ne pouvons pas faire ça ! Becca ne sait pas ce qu'il se passe ! La situation est assez difficile comme ça ! Elle peut être traumatisée ! Elle en a déjà assez bavé ! Ce ne serait pas mieux si elle restait avec sa vraie famille ! Je sais que c'est difficile, mais veuillez me croire, s'il vous plaît. Nous pensons simplement au bien-être de l'enfant. Vous avez raison, la situation est très compliquée, et nous devons absolument la préparer à accepter la réalité. Attendez, Becca nous considère comme sa famille. Ça doit être facile pour elle de rester avec nous. Et moi, je suis sa grand-mère. Peut-être que je peux prendre soin d'elle, je fais partie de la famille. Mais madame, vous vivez tous sous le même toit? Oui, mais Becca connaît Kara et Seb. Ce ne sera pas plus difficile pour elle si vous l'emmenez dans un endroit où elle n'a pas de famille? Ça risque vraiment de l'effrayer. Si jamais vous arrivez à avoir la garde de Becca, nous appelons ça une garde temporaire. Nous devons d'abord lui parler avant de prendre une décision. Alors quelle décision? Je vais d'abord en parler avec elle. Je dois faire un rapport à notre superviseur. Pour l'autorisation, en fonction de ce que Becca et moi allons discuter par rapport à la situation familiale. Et c'est alors que vous pourrez en savoir un peu plus sur la garde de l'enfant. Faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez pour que ma petite fille reste avec nous. Le plus vite possible, s'il vous plaît. J'ai hâte d'être réunie avec ma fille. Oui, madame, je ferai de mon mieux, je vous le promets. Mais je vais être honnête avec vous. Si vous arrivez à avoir la garde de votre fille, je viendrai quand même de temps en temps lui rendre visite. C'est une obligation. Je dois m'assurer de son bien-être. Pas de problème. Merci beaucoup. Banjo. Banjo, on peut te parler? Pourquoi? Où est Becca? Elle va bien. Banjo, c'est notre fille. S'il te plaît, ne t'implique pas. Kara, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour vous d'aller la voir. Sarah est en détention. Qu'allez-vous dire à l'enfant? Banjo, je sais que tu es proche de Sarah et de Becca. Mais là, c'est une histoire de famille. Peut-être que je dépasse mes frontières et que je ne suis pas de la famille de Sarah et Becca. Mais je les considère comme ma famille. Qu'allez-vous dire à Becca? C'est une enfant intelligente. N'oubliez pas que c'est encore une enfant. Tu n'as pas besoin de nous le rappeler. On souhaite juste voir notre fille. Banjo, s'il te plaît, dis-nous où elle se trouve. Si tu nous ne le dis pas, on n'aura pas d'autre choix que de t'impliquer dans l'affaire contre Sarah. Cynthia? Oh, Banjo. Comment Sarah tient le coup? Comment va Becca? Eh bien, j'ai enfin réussi à la coucher. Kara? Seb? Voulez-vous que je réveille Becca? 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 Réveille-toi, mon cœur. Bonjour, Cynthia. Ma maman est là? Pas encore. Mais tu as de la visite. Tata Kara? Tonton? Grand-mère? Où est maman? Elle est avec vous? Oh, sunshine!
Tata? Tonton? Pourquoi vous pleurez? Est-ce que quelque chose est arrivé à maman? Où est maman? Où est-elle? Becca, nous sommes là pour parler avec toi. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Seb? Qu'est-ce qu'il y a? Seb! Seb. Rien. Ne t'inquiète pas, ta maman va bien. Où est-elle? Elle avait juste quelque chose à faire, mon cœur. C'est pour ça qu'elle souhaite que tu restes avec nous pendant un temps. Mais pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Maman me dit toujours au revoir avant de partir. Ne t'inquiète pas, tu lui parleras bientôt. Mais pas tout de suite. Oui. Je peux l'appeler? Becca, ta maman est très occupée, nous pouvons l'appeler. Une autre fois, je pense.